Les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Olga Mbani, votre consultante business. Alors, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, je vais vous inviter à vous abonner. N'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes futures vidéos. Ok les amis, alors aujourd'hui, nous allons parler des fausses informations qui circulent sur les réseaux sociaux, dans des groupes, des forums, les leaders qui transmettent et transfèrent de fausses informations qui ne viennent pas des GIT. Tout ceci dans le but de se faire rapidement des fioles ou alors de faire en sorte que ceux qui ont souscrit derrière eux activent rapidement des packs. Alors les amis, je dirais encore, c'est bien beau de vouloir activer les gens à acheter des packs, mais vraiment d'utiliser la façon la plus honnête de le faire. Alors, faire circuler une information qui n'est pas de GIT, c'est-à-dire une information erronée, dans le but de susciter les gens à vite acheter leur pack. Vraiment, c'est quelque part assez malhonnête de la part de ces leaders-là. Parce que GIT n'a jamais dit que les packs de 200$ ou de 400$ et même de 800$ vont disparaître. Il n'y a aucune information officielle de cette façon-là. En fait, j'ai été à même démenti cette information parce que j'ai pris la peine de me renseigner. Alors, si vous voulez vous rassurer qu'une information de GIT est correcte, les amis, je vous invite à venir sur le site de lieblimal.net, aller sur News, voilà. Allez sur les nouvelles et vous allez voir tous les communiqués officiels de GIT. Voilà, ça vous évitera de transférer ou alors de croire aux fausses informations qui circulent sur la toile. Donc, comme vous pouvez le lire là, je ne vais pas être longue. C'était juste pour attirer votre attention. Cette information ne vient pas des GIT. Alors faites attention à ce que vous recevez. Faites attention à ce que vous transférez parce que vous avez vu dans un groupe, alors vous ne vous rassurez même pas si l'information est correcte. Et vous vous chargez de transmettre cela ainsi de suite, ainsi de suite. Moi j'ai reçu ça, j'ai dit, je vais me rassurer à la source. Et j'ai eu l'information de la source qui disait que cette information est erronée. Donc, arrêtez vraiment, chers leaders, d'être assez malhonnête. Si vous voulez encourager les gens à adhérer et à croire à GIT, vraiment, donnez l'eau propre, comme on dit souvent, donnez la bonne information. Voilà, je vais vous inviter à partager largement cette vidéo-là pour que ceux-là qui ont cru que l'information était de GIT, qui puissent avoir la bonne information, n'hésitez surtout pas à liker. À laisser un commentaire, voilà, dites quelque chose en commentaire si vous avez des suggestions, des questions. Et on va se dire à très bientôt dans une autre vidéo. Ciao, ciao!